La Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin, fidèle à son engagement d'assistance aux personnes vulnérables, apporte son soutien aux sinistrés de Karimama. Courant août dernier, la montée des eaux du fleuve Niger a plongé de nombreuses familles dans le désarroi. L'organisation humanitaire ne reste pas indifférente face à la situation. Après un effort de solidarité nationale dont vous êtes l'objet, la Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin vient en son tour vous dire aujourd'hui toute sa compassion et vous témoigner sa solidarité pour cette catastrophe naturelle qui vous a secoué. C'est pourquoi nous mettons à la disposition des victimes et sinistrés de Karimama des vivres composés de 4 tonnes de riz et de 20 bidons de 25 litres d'huile, 400 feuilles de tôle, 300 nattes, 100 moustiquaires imprégnés et 600 kits scolaires, le tout d'une valeur de plus de 6 millions de francs CFA. Tour à tour, le secrétaire général du département de la Libourie et Dr Maman Bourema, directeur départemental de la santé, trouvent ici les mots justes pour encourager les donateurs dans leur élan de générosité. En plus des médicaments gracieusement distribués aux populations, des consultations médicales sont faites pour plusieurs pathologies. Il s'agit pour nous d'appuyer et d'encourager les efforts du gouvernement du président Patrice Talon pour soulager vos peines, hernie, prostate, etc. Donc tout sera gratuit. Donc nous voudrions vous annoncer également ceux qui malheureusement souffrent par ces maladies sont bienvenus, sont accueillis à notre hôpital Ahmadiyya de Parakou. Prochaine étape de leur périple, la commune de Malanville.